Société Dédé Frelin, bonjour. Je suis à votre écoute. Oui, monsieur Dédé, je vous appelle parce que j'ai un problème de frelons sous ma terrasse. Il y a plein de frelons qui sont apparus sur ma terrasse. Je peux pas sortir, je suis très inquiète. Des frelons? Mais pas de nids? Oui, il n'y a pas de nids. Ils sont regroupés par dizaines. Ah, j'ai très peur. Hein. Ok, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de nids autour de la maison? Comment vous dire? En fait, il y a un nid chez mon voisin. Et ce connard, hier soir à 21h, il a pris un fusil et il a tiré dessus. Et du coup, ben, tous les frelons sont partis, le nid est tombé. Et là, ce matin, on se retrouvait avec plein de frelons sur la terrasse. C'est un panique. Oh, putain! Ok, j'arrive de suite. Il y a toujours une solution pour les détruire. Et en plus, je suis beau gosse. Beau gosse? Mais j'en ai rien à foutre! Viens me tuer les frelons! Vous voyez le nid? On le voit peut-être pas, mais il est en haut de cet arbre. Chez le voisin, il a tiré avec le fusil et maintenant les frelons ils vont sur la terrasse de ce voisin là. Je vais vous montrer ça. Bon voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, c'est quand même dangereux d'essayer de détruire un nid tout seul, en sachant que ben, vous avez des voisins et tout ça, ce monsieur qui tire avec le fusil pour faire tomber le nid, voilà, des gens auraient pu se faire piquer, plus, le soir à 21h, il aurait pu avoir son voisin qui était dehors en train de fumer une cigarette peut-être, il aurait pu se faire piquer parce que les frelons, ben, d'un coup, ils sont en colère. Hein. Vous avez vu... sur le morceau de nid que j'ai traité, de suite ils ont attaqué la GoPro parce que voilà, leur nid a été attaqué déjà la veille. Je reviens demain mettre du produit, du coup ils sont vachement énervés et c'est hyper dangereux. Donc quand vous avez un nid de frelons, appelez un professionnel. Voilà. C'est vrai qu'il faut payer une intervention, ça, c'est de l'argent, mais quand même, il vaut mieux pas prendre de risques, on sait jamais. Si vous faites piquer, il y en a qui meurent de piqûres de frelons, donc il faut faire très 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 attention. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner, aller sur Facebook, Twitter. Et je vous dis à très bientôt les Dédés.